Salut les amis, alors aujourd'hui on va voir comment faire un Père Noël avec un rouleau de papier toilette. On y va. Alors on part d'un rouleau de papier toilette. Là je l'ai peint à l'avance en rouge. Vous pouvez aussi le recouvrir d'un papier rouge ou d'une autre couleur. Donc voilà, mais la base c'est le rouleau. Donc ensuite on va venir plier ce rouleau ici, le pincer, comme ça. Et comme ça, comme ceci. Donc ça va nous faire les jambes du Père Noël. Et pour la tête du Père Noël, il va falloir venir plier, mais à 90 degrés. Donc là, j'ai plié ici. Maintenant, je plie, mais à 90 degrés. Donc tout à l'heure, j'avais plié comme ça. Là, je plie comme ceci. Donc voilà. Bon, ça peut aussi servir de papier cadeau, hein. Si vous avez un petit cadeau à faire. Mais donc là, c'est d'un côté et là, à 90 degrés. Donc là, on a les jambes et là, on va avoir la tête. Donc il faut un petit peu appuyer. Et voilà, on a notre corps de Père Noël qui est formé. Donc ensuite, pour faire la tête, vous pouvez très aussi également peindre directement la tête. Sur le corps. Moi, j'ai trouvé plus simple de découper un petit papier blanc et de faire une petite tête. Donc là, vous voyez, j'ai fait une barbe de forme différente de la première. Donc si vous faites cette méthode-là, il suffit simplement de venir coller la tête sur le rouleau. Donc ça va être rapide et efficace. Donc voilà. Donc ensuite, vous pouvez faire des décorations supplémentaires, mettre une ceinture, faire des petites chaussures, enfin comme vous avez envie. Et pour venir refermer ici le haut, le chapeau, en fait, je vais déjà venir introduire une petite sangle pour que ça puisse me servir de suspension. Et là, deux options. Soit vous avez un pistolet à colle. Donc c'est la méthode qui est la plus rapide. Vous mettez un peu de colle et puis vous fermez. Par contre, attention les enfants, demandez à un adulte quand même de vous aider parce que le pistolet à colle, moi je suis déjà brûlée plusieurs fois. Sinon, la méthode un peu plus longue, il va falloir mettre une bonne dose de colle en tube, mais ça marche aussi. Donc voilà, une bonne dose. On vient plier, mais là, il va falloir tenir plusieurs heures. Donc on ne va pas tenir ça à la main. Donc soit avec une petite pince comme ceci. Vous venez la mettre là, tout simplement avec un petit trombone. Vous venez mettre le trombone. Voilà. Et vous laissez comme ça plusieurs heures. Et puis vous revenez plus tard. Et je vous assure qu'au bout de 2-3 heures, ce sera collé sans aucun souci. Il faut bien attendre que la colle soit sèche, c'est tout. Alors juste une petite précaution, il se peut que le trombone abîme légèrement un petit peu votre papier, votre carton. Donc si c'est le cas, on n'hésite pas à remettre une petite couche de peinture ou alors faire des décos supplémentaires. Vous pouvez rajouter un petit pompon, une petite étoile. Donc pas de panique, si jamais le trombone a abîmé, il y a toujours une solution de repli. Et puis voilà, vous avez des petites suspensions très sympas. Si vous voulez pas de suspension, mais plutôt une décoration de table, ça marche aussi. Simplement, vous ne repliez pas le bas. Vous faites que la tête et puis comme ça, du coup, ça va faire comme ceci. Et là, on pourra le poser sans souci sur une table. Donc, faut un peu décider au démarrage. Soit on pose et on plie pas, soit on veut faire des suspensions. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et on plie. Voilà, à vous.